Il y en a une autre petite à vous conter. Elle ne sera pas bien ben longue. Remettez encore moyennement longue. C'est un cultivateur qui décide de vendre sa ferme à son gars. Ça fait que quand son gars a acheté ça, il fait le ménage un peu dans ses affaires. Il y avait des vieilles treilleuses. Il décide de s'acheter une treilleuse, ce qu'il y avait plus moderne. Ça fait que il regarde sur les pamphlets, c'était une treilleuse qui était automatique, qui était électronique. Puis il fait venir ça. Et puis ça arrive, ça, à un moment donné, à la maison. Sa femme n'était pas là. Il va déboucher ça. Il décide d'essayer ça après lui. Il collecte ça. Ça va partir dans Varnouche, tu vois, puis là, ça marche. Mais quand ça a eu fini de marcher, il veut arracher ça de là, pas capable. Il m'a tiré sur ça, ça veut pas arracher, ça suce, puis ça râle, puis il est pas rien avec ça. Là, il dit, ma femme va arriver, je vais faire avec ça. Fait que là, il pense qu'il y avait, le petit dépliant dans la boîte, là. Ça fait qu'il va arracher ça, puis il se met à lire ça. Il doit avoir une switch pour arrêter cette patente-là. Il n'avait pas trouvé, il avait viré ça sur toutes les barres, puis il regardait pour trouver le stop de ça, puis ça n'arrêtait pas, cette affaire-là. Ça fait que, il prend le manuel d'instruction, il se met à regarder ça, il lit ça, à marcher sur trois langues. Finalement, il avait dit, il disait que c'était électronique, puis c'était automatique, puis c'était stainless, puis c'était garanti. Mais il avait pas de switch pour arrêter cette patente-là, puis là, il était rendu, qu'il allait après ça, puis il voulait arracher ça, ça n'arrachait pas de là. Ça fait que, il y avait un numéro de téléphone, directement du fabricant. Ben, attends, Barnouk, il y a le téléphone, puis il téléphone tout de suite au fabricant. Puis le fabricant, il dit, est-ce que une de vos treilleuses? Ah, ben, je vous félicite. Oui, mais il dit, ça presserait, là. Il dit, il met ça pour ma meilleure verre, puis il dit, elle a de l'air d'être mal avec ça, puis il est plus capable d'arracher ça de là. Ah oui, mais il dit, monsieur, ça, c'est tout automatique, puis électronique, puis il dit, il n'y a pas de switch après ça, ça l'arrête à tous les deux galons, ça, il dit. Bertrand, bon, on le fera pas.